Voilà, donc une fois de plus, problème de micro. Donc on chauffe la poêle. Je vais faire saisir les tranches de chorizo recto verso. Enfin, c'est vite fait cette étape. C'est juste pour en sortir un peu de graisse, pour cuire le reste dans cette graisse aussi, vous voyez. Après, on les met de côté. Voilà, voilà. Et je rajouterai après l'eau, après le bouillon. Ensuite, on y met les oignons que l'on va faire blondir tranquillement, tranquillement, sans les brusquer. Alors surtout, ne négligez pas ces étapes, hein, parce qu'elles contribuent à la qualité de votre plat. Quand les oignons sont bien blonds, bah, j'y rajoute le poivron, que je vais faire rissoler un petit peu aussi. Il y a une chronologie. Voilà. Donc là, je prépare mon petit ramequin d'aromates. Safran, curcuma, bouillon de volaille, laurier, herbe de Provence, clou de girofle. Donc là, maintenant, on va mettre les courgettes que l'on fait, que l'on va faire revenir aussi. L'idée, c'est de sortir le maximum de liquide des légumes. Hein. Et aussi, les légumes, ils doivent être cuits. Parce que le riz cuit assez rapidement, hein, 13-14 minutes, donc il vaut mieux que le légume soit déjà bien revenu. Hein. Là, je vais émietter le bouillon de volaille, ça évitera d'avoir des gros morceaux dedans une fois qu'on aura cuit le riz. Ça arrive parfois. Hein. Donc une fois que vous avez la tomate, ben, il faut la compoter. Je viens de mettre du sel. Et là, maintenant, j'essaye de sortir le maximum d'eau de la tomate. Donc, les riz, vous voyez, je les mets toujours dans des mugs, car c'est facile à mesurer. Vous voyez, donc là, je vois bien la hauteur, car je vais mettre une fois et demie le volume de riz en eau. Vous voyez, j'insiste bien. Donc maintenant, la tomate est compotée. Vous voyez, il n'y a plus d'eau dans la poêle. Je vais y rajouter le riz, que je vais faire cuire quelques minutes comme ça. Il va s'imbiber de toutes les saveurs des légumes, huile d'olive, graisse de chorizo. Il va absorber tout ça. Pendant ce temps, je mesure mon eau. Donc, c'est une espèce de nacrage, hein. C'est pas vraiment le nacrage à proprement dit. Et là, ça fait le job. Hein. Donc voilà, je mets les aromates, hein, les épices et tout ça. Et puis ensuite, on y met l'eau. Alors ça, si vous voulez en faire un plat, il vous suffit de rajouter du chorizo. Hein. Vous mettez 100 g de chorizo par personne, et puis là, ça vous fait un plat complet. Hein. Moi, ce riz, je le fais pour en accompagnement d'un poisson, donc je mets juste un petit peu de chorizo pour le parfumer, sans plus. Voilà, ben voilà, hop, on met dedans. Bien sûr, j'enlève la peau. Hein. Il me restait des petits pois de cuit, ben voilà, il n'en reste plus. Et maintenant, je mélange, je porte à ébullition. Et c'est seulement à partir de l'ébullition que je vais commencer à minuter. Bien sûr, cuisson à couvert. On mélange bien. Et voilà, ça bout. On met le couvercle et on lance la cuisson. Au riz basmati, vous partez sur 13-14 minutes. Hein. Là, j'ai fait plus parce que je l'ai cuit à basse température. Et voilà donc le résultat. À ce stade, je rajoute plus rien. Certains vont mettre du beurre,
Moi, je ne rajoute plus rien. Il est suffisamment parfumé, suffisamment gras. Il n'y a absolument rien à rajouter dans ce riz. Voilà, voilà, à bientôt.